Mais d'amour quand même. D'amour quand même. Oui. Contes érotiques de grand-mère. Et oui. Prenez des notes. C'est notre culte un peu. Hein. Donc de Claude Nexac. Jean-Claude n'est pas sur scène. L'autre soir, en revenant d'une promenade, j'ai rencontré au coin du bois de sapin le chaperon rouge effondré au bord des larmes, assis dans la mousse et se roulant un joint. Qu'as-tu, mon petit, dit Jean, m'asseyant près d'elle, quel est cet ennui qui te cause tant de chagrin? Ah, mon bon monsieur, me raconte la pucelle, les chasseurs ont tué le grand loup ce matin. La grand-mère, maintenant que le loup est mort, qui fera le bonheur de la vieille? Y'a lui, quand vous voulez encore, qui va maintenant s'occuper de la vieille? La réchauffer dans son grand lit la nuit, la désirer, lui faire croire qu'elle est belle. La mort du loup la tuera elle aussi. Ça fait toujours le même effet. C'est comme un alcool un peu fort. Le premier verre, on s'en remet pas. L'autre soir, en revenant d'une promenade, j'ai entendu monter du bois de sapin des plaintes, des pleurs, j'ai crié « Qui est malade ?» Je me suis approché et j'ai trouvé les sept nains. Oh, les pauvres petits, ils souffraient les 500 diables pour sortir de leur corps un si grand chagrin. Blanche-Neige est partie avec une sorte de mélâtre, se prenant pour un prince avec son 1m80. On veut plus de la branlette, maintenant qu'on a goûté aux fruits de cette minette, on ne pourrait plus s'en passer. On ne veut pas devenir des homosexuels, on veut pouvoir aimer comme on l'entend. On ne demandait rien avant que cette jouvencelle montre sa pomme et qu'on porte dedans. Moi, vous me connaissez, je peux pas rester insensible. Je défends toujours la veuve et l'orphelin. Surtout la veuve. Je me suis mis à chercher. Oui, bah, les orphelins, c'est pas mal non plus. Hein. Je me suis mis à chercher à tenter l'impossible pour mettre un terme à cet immense chagrin. J'ai mis à chauffer du vin dans une bassine, ajouté des œuvres complètes de Perrault. Quelques aphrodisiaques comme des fleurs de capucine, deux pincées de Sade et une page de porno. J'ai vu au fond de la bassine les nains taper la mer grande, Blanche-Neige tailler une pipe au méchant loup, et pendant ce temps les petits cochons s'envoyaient des cassines. Le chaperon se faisait faire un enfant par les chasseurs qui chatouillaient Justine. Alors que l'ogre foutait le prince charmant, le petit poussait pendant dans la godasse de Cendrillon qui voulait prendre son pied. Avec le cul de l'ogresse dégueulasse, se refermer sur Tarzan déchaîné. La fée Carabosse d'un coup de baguette magique fait de Tintin un joyeux petit lutin. On le voit courir là où pète lubrique à la recherche de l'enchanteur Merlin. La conclusion de cette histoire très morale se passe dans la caverne d'Ali Baba. On voit Ali usant de son sésame faire carangue gosse à Chantal Goya. La 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 la.